Et soussou, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur les Sims 3. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue de monde. Je sais que j'avais changé de nom avant, je mettais autre chose, mais je sais même plus ce que c'était. Mais revue de monde, ça sonne beaucoup plus joli et c'est la traduction de World Showcase, comme nos youtubeuses anglaises et américaines font très souvent. Donc elle est toujours téléchargeable gratuitement comme toutes les autres villes que je vous présente sur internet. Malheureusement, je ne vais pas mettre le lien en barre d'infos cette fois-ci, car la dernière fois YouTube m'a signalé que c'était hors du règlement. Donc si vous la souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, vous l'enverrez par message privé. Mais en tout cas, elle est gratuite et elle est peuplée, car toutes les villes que vous téléchargez ne sont pas peuplées. Donc celle-là, j'avais en plus hyper galéré à la trouver. Et il y a quelques petites familles qui vivent par-ci par-là. Donc là, il y a la famille McCormick, la famille Boone. Là, il y a un foyer, également la famille Reeves, donc il y a pas mal de foyers dedans. Valentino, donc qui est un homme célibataire, la famille Stuart. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a beaucoup de... Il y a des plages, donc c'est une très très grande ville, mais elle est très très jolie. Moi, j'aime beaucoup... Donc comme le pont, vous avez pu voir les petites images au début de la vidéo, et qui se trouve juste là. On va regarder de plus près la petite maison qui se trouve juste ici. Donc c'est une mini maison où elle est vraiment très très petite. Donc je pense qu'elle est très bien pour démarrer. Donc elle est toute cute avec une décoration qui est assez simpliste mais assez jolie. Donc c'est pas non plus dans les imprimés hyper colorés. Mais ça pique pas les yeux. Là il y a la famille Bridge. Donc hop, Ruby, Lisa, ce sont... installé de Mesa Grande. Bon, après c'est écrit en anglais donc je vous traduis en même temps. Et Mesa Grande, c'est également une ville qu'on peut télécharger, que je vous présenterai dans une future vidéo. Donc il y a pas mal d'habitations et elles sont toutes meublées, ça c'est super cool, car en général moi j'aime pas télécharger des villes où les maisons sont pas meublées, ça me met un ton de fou à tout faire. Et là elles sont meublées et la déco est plutôt pas mal. Donc là il y a deux chambres pour enfants, il y a la chambre parentale. Et il y a un très grand séjour, une très grande salle à manger. Et il y a une petite piscine avec le petit barbecue. Bon, il y a un peu la vue sur la route, mais c'est les Sims quoi, c'est pas grave. Après, en terrain communautaire, pareil, il y en avait quelques-uns. Il y avait également des espaces vides que j'ai comblés avec des restaurants, des magasins que j'ai trouvés sur internet. Comme par exemple le petit restaurant là, donc lui, si vous le téléchargez la ville, il ne va pas se trouver à cet endroit là, là ça sera vide. Mais après il y a les écoles, l'hôpital, le stade, tous les endroits municipaux de base. Là la bibliothèque, je l'aime beaucoup car elle est super jolie, elle est colorée et j'aime beaucoup l'architecture ce qu'ils ont fait. On va regarder ça ensemble, donc elle est très très bleutée. Voilà, je vais vous montrer, voilà, là on voit mieux. Et donc là c'est le hall, là c'était le deuxième étage, je vous montre tout à l'envers. Et la salle pour étudier avec les ordinateurs. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Après donc il y a des restaurants, bon c'est les restaurants de base où on voit pas les Sims manger, mais on n'est pas dans les Sims 4. Alors là, là c'est le libraire et le spa. Donc ça c'est pareil, c'est un lieu générique, mais il n'est pas pareil que dans les autres mondes. Il est beaucoup plus joli, je trouve. L'architecture, elle est beaucoup plus gracieuse. Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'aime beaucoup. Après, en tant que... en tant que lieu, je sais pas, je cherchais mes mots. Là, il y a des petits cabanons, un petit peu comme des cabanons western ou des bungalows. Je sais pas comment décrire. Je suis vraiment nulle pour décrire les trucs. Mais là, du coup, elle fait penser à Gatsby aux années 20. Ou si on peut, aux années 60, 70. Donc là, c'est un tout petit cabanon, tout mignon, tout rikiki. Mais qui peut faire plaisir à vos Sims qui débutent sagement leur vie de jeune adulte. Ou pour une personne âgée. Et là, donc, il y a le Wynwood Hotel et Vineyard. Donc un vigneron, enfin un espace viticole en plus, qui est hyper réaliste, je trouve. Donc c'est sûr que là c'est que décoratif, mais c'est vachement bien fait. Et la maison, on dirait vraiment la maison des séries américaines, vous trouvez pas? On va regarder de plus près. Donc je vais peut-être enlever les murs, on verra mieux. Donc là il y a la
trois dans deux chambres, une dans des toilettes. Là, il y a plein de salles de bain dans cette maison. Il y a une grande salle de bain là, une plus petite là, et deux. Enfin, là, c'est plutôt un toilette à côté du bureau. Et là, une petite salle de bain. Là, on se trouve dans le séjour principal. Il y a encore une chambre en bas, même deux, trois. Finalement, elle est super grande. Elle est super grande, cette maison. Et on peut voir, il y a également une grande piscine avec la vue sur le domaine viticole. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On va regarder quelle autre grande maison on peut trouver dans ce monde. Le temps que mon jeu charge un petit peu. Alors, il y avait une grande maison là, mais c'est la famille Stuart. Bon, au pire, on peut leur faire un petit coucou. Comme ça, je vous montre un petit peu les membres de la famille. Non, mais tais-toi, toi. Oh là là. Donc là, ils ont également une piscine, un petit potager plutôt mignon. Alors, la maman, bon, ils sont pas là, ils sont en ville, donc on peut visiter leur maison tranquillement. Il y a une cuisine, une petite cuisine, ça fait très années 70 où je trouve la déco. Mais elle est très jolie, j'aime beaucoup les couleurs assorties avec le bois. Il y a la salle à manger, le salon, un grand grand garage et deux, trois chambres, deux pour enfants et pour les parents. Bon, la maison elle est assez simple, il n'y a rien de ouf en termes de déco. Elle paraît grande de l'extérieur, mais dedans je trouve qu'elle est plus petite que celle qu'on a visitée juste avant. Mais de l'extérieur, elle est super jolie. Ça me donne envie d'habiter dedans. Pas vous? On va regarder maintenant les lieux communautaires. Je vous ai pas trop montré. On va aller le parc principal, donc le parc central qui se trouve juste là, qui s'appelle le Foothills Community Park. Donc il me rappelle beaucoup celui de Sunset Valley, mais il est beaucoup plus grand et il me fait également penser au parc des séries américaines. Bah, en même temps, les Sims 3, tous les Sims sont développés aux États-Unis, donc ils s'inspirent plus de l'architecture de chez eux. Donc là, l'hôtel de ville, j'en perds mes mots. Là, la statue du vénérant, du noble statue Parado attardé associé. Ah, non, je sais pas qui c'est. Enfin, on va dire que c'est la statue de celui qui a bâti la ville auparavant. Et donc, on a plein de petites tables là, deux fontaines, des balançoires. Mon jeu, il bug là, qu'est-ce qui lui arrive? Et une petite place centrale là, avec un très joli cerisier, qui est plutôt pas mal. Puis on va regarder. Puis en termes de parcs, il y a pas mal de parcs. Donc celui-là, c'est le petit que j'ai rajouté. Vous savez qu'on retrouve juste là, les tout petits. Il fait 35 sur 35. C'est le petit parc d'étang prunier qu'on peut placer dans n'importe quel monde où il y a un petit terrain qui ne sert à rien. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je fais toujours. Là, il y a un parc qui s'appelle le Stardust Park, qui est un petit parc, mais il est quand même plus grand. Il y a un petit étang pour pêcher, donc le dimanche, et faire, pourquoi pas, un petit barbecue en famille. Et puis, il y avait un autre parc de l'autre côté, vers la plage, qui était juste là. Alors, le Pinnacle Park. Ah non, je crois que c'est un parc également que j'avais rajouté. Je ne suis pas sûre. Ah non, non, celui-là, il existe dans le monde. Mais là, la vue, elle est sublime. Là, votre Sims, il peut faire une petite demande en mariage avec cette vue sur les montagnes, avec, regardez, le soir, comment la nuit est étoilée. C'est magnifique. En tout cas, ce parc, il est super mignon avec les petites balançoires. Bon, je trouve que apocalyptique, là, ça sert à rien, qui gâche tout, surtout. On va le laisser là quand même. Et là, le petit camion de glace qui passe. Puis également, il se trouve un cimetière dans le monde. Évidemment, chaque ville des Sims 3 a un cimetière. Donc, je voulais vous montrer car il est vraiment très très beau. Il est grand et il est très, on peut dire, assez moderne, je trouve, pour la ville. Donc, il y a la place avec les petites fontaines, enfin la petite, la grande fontaine et les petites fontaines à côté. Donc, il y a plein de fontaines. Je trouve que ça fait un très joli style, très harmonieux. Là, c'est comme si. Ils allaient faire un nouveau enterrement, mais pas encore. Ou alors c'était un gros trou. Enfin, j'aime bien les détails qui sont faits, c'est très réaliste. Et donc là, il est temps avec les petites fleurs que je pense jamais à les placer de cette façon. C'est une bonne idée ça.
En tout cas, j'espère que cette ville vous a plu, que vous souhaitez peut-être la télécharger pour votre jeu. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye!